Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ben Jérém, tu viens pas me rejoindre? Sois pas deg, hein. Ouais, Jérém, il est deg parce que je vais bientôt le dépasser avec la nouvelle vidéo de présentation de camion. Ouais, c'est pas grave, hein. En même temps, tu peux pas faire le poids contre moi. Tu peux pas. Salut les bandits. Non, mais je suis fier de toi. Bah, fier. Charlotte, elle a fait sa vidéo avec la présentation du camion. 163 ou 164 000 vues. Bah, c'est pas mal. Ouais, je suis contente. Et tu montes tout le temps. Moi qui étais si stressée en faisant cette vidéo, j'étais pas très à l'aise. Et je t'ai forcée à la faire. Tu m'as un peu forcée. Un peu forcée la main. Parce que j'aime pas être, comme vous savez, j'aime pas être toute seule sur les vidéos. J'aime pas se montrer, Charlotte. Et là, du coup, entièrement de A à Z. Et du coup, ouais, je suis un peu pas fière, mais je suis contente de l'avoir fait. Et bah, ça rend plutôt pas mal parce que tu l'as bien rendu. Hein, j'étais vraiment stressée ce jour-là. C'est vrai. Et voilà. Bon, alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On monte ce coffre de toit. Et par contre, on attend du renfort, là. Ouais, j'ai réquisitionné ma maman. Et ouais, ça va être Elle est très lourde. En fait, déjà, à la base, elle était un petit peu lourde pour moi. Plus. Et là, il y a le couvercle, il y a la peinture. Il y a les renforts, il y a les quatre charnières. Non, mais il y a toutes les petites parts. Elle a pris un petit peu elle de poids. Elle a bien pris 25 kilos. Mm. Donc, on va essayer de la glisser. Une fois que j'arrive à la moitié, moi, je peux la basculer et on vient juste la caler dans ces petites gouttières. Ce matin, j'ai démonté tout le ciel de toit. Vous avez vu sur Insta, j'ai trouvé une petite carte postale. Olé, olé. Salut à tous. Je suis en train de démonter le ciel de toit de la cabine pour pouvoir mettre la galerie. Et je suis tombé sur une petite carte. C'était caché dans le ciel de toit. Hein? Tip top, de fesses comme de face. Et je vais vous lire le petit mot qu'il y a derrière. Salut. J'ai vraiment passé un bon week-end avec toi. J'aurais presque pu quitter mon mari pour toi. Mais tu ne le vaux pas. S'il y a bien une personne pour qui je pourrais quitter mon mari, c'est Jérémy des Vadrouilleurs Forever. Mais il est déjà pris et en plus il a une femme superbe. Amitié, Marie-Christine. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas marqué ça. C'était caché dans le ciel de toi. C'est à qui ça, hein? Est-ce que vous voulez la récupérer? Non, il est marqué « Sincère amitié de Menton avec une superbe vue sur la mer ». À toute l'équipe, bisous. Bien vue sur la mer. Et voilà, et donc en fait, parce que c'est une double paroi la cabine, c'est-à-dire que si je fais un trou pour mettre une vis et un écrou, je ne pourrais pas y accéder derrière. Donc je viendrais faire un trou avec une scie cloche à métal. Et comme il y a déjà pas mal de trous, ça se trouve, il y aura juste besoin de glisser un petit doigt. Pour venir... Ouais, bah je glisserai le mien, quoi. Tu pourras glisser ta petite main comme ça pour venir pincer l'écrou et nous, on pourra serrer de l'extérieur. Donc, il y aura 5 pattes de fixation à droite, 5 pattes de fixation à gauche. Voilà. Faut dire que... Et il aussi, est quelle heure, ça là sera traversant à travers le toit. Pff, comme il ça. Est 9h et depuis 7h30, il est debout. Pourquoi? J'étais en train de dormir, il me dit... Bonjour, t'as bien dormi? Je vous demande, je fais non, mais ma nuit elle est pas finie. Parce que je reçois des messages des copains qui sont en train de faire du paddle là sur Cassis ou je ne sais où là sur Marseille à 7h30. Et bah t'as qu'à couper ton téléphone. Ouais, c'est de votre faute tout ça. Hein. Et du coup, ouais, du coup, bah il s'est levé, dégoûté. Bon, bah je vais faire le coffre de toi et pas du paddle. Et du coup, il m'attend. Hein, ça donne envie. Du coup, je dis, bah attends, moi, je suis pas prête, alors tu m'attends. Il y a toute la structure, on la pose, je la fixe, je pose le plancher en aluminium strié. Et une fois que ça s'est posé, je vais commencer à peindre les intérieurs. À peindre. Je vais peindre. Que l'intérieur, il est peint, et ben, je vais venir mettre la fibre. Et là, on attend Monique, 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 Monique. Et Monique, elle vient pas. Et aussi, petite réaction par rapport à la précédente vidéo, il y en a pas mal qui m'ont dit « Ouais, tu vas avoir un gros frein avec ta caisse, avec ton coffre de toit, tout ça. » Je l'ai fait légèrement profiler, il a une toute petite pente. Donc c'est déjà bien, le vent, il va couler comme ça. Et regardez, j'ai déjà un gros aérofrein en fait, c'est la caisse là-bas. Donc ça ne va rien me changer, ça va être même mieux parce que maintenant je suis profilé. Alors que lui, il est vraiment complètement d'équerre en fait, hein, vous voyez. Donc il y aura moins d'aérofrein et j'aimerais bien sur les côtés faire deux petits trucs profilés comme ça pour que le vent, il glisse comme ça. Après, on roule à 70 km/h, donc c'est pas là où on a le plus gros aérofrein, enfin voilà. Monique, 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 sa belle baisse pour travailler. Monique. Équipe de choc. Équipe de choc. On a besoin de tout le monde sur le coup. Gymnastique matinale de Mamie Momo. Grave. Voilà, c'est ça. Donc il va falloir prendre la galerie, la ramener ici, la basculer. Moi, je vais monter, tirer, et vous, il va falloir que vous soulevez.
sans casser les rétroviseurs et sans casser les carreaux. On ne doit pas monter sur l'échelle. J'ouvrirai bien. On fait juste comme ça. Ouais, tu la laisses glisser sur l'échelle, sans faire toucher les barres, parce qu'il y a toutes les petites barres qui vont vous embêter. Et donc, elle va comme elle est là ? Non, là, elle va comme ça et après, on la bascule. Ça, c'est en haut, c'est les carreaux, le sol. Au cas où. Ça, c'est le sol ? Ouais, en haut. Oh la vache. Mais c'est la dernière fois pour elle. C'est pas très très lourd hein, quand on regarde bien. Par contre, vous allez pourrir votre veste. Ah, bonne nouvelle. Bah ouais, je vois ça. Allez, on y va. Ta mère, elle a des obstacles en plus. La mi-chemin est plus difficile. On lâche, c'est lourd quand même. Là, hein. Tu la bascules un peu par là. Il y a un peu des coulures un peu partout. Hein. Ouais, c'est pas grave. Ouais. J'ai dû laisser aller, mon fils. Ah, grave. Regarde-moi ça. Ah, tu vois, je vais glisser. Là. Tu vas glisser ? Bah ouais, c'est mouillé. Voilà, exact. Voilà, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes bien. Par contre, Chouchou, tu fais super gaffe au rétro. Ah ouais, c'est ce que je regarde. Heureusement que c'est pour moi qui suis du côté rétro. Ah, ça s'ouvre, ça, c'est chiant. Attention, regarde dans l'échelle. Ouais. Faut lever. Vous pouvez poser hein, la barre comme ça. Ça glisse. Un, deux. Il va falloir qu'on monte l'échelle. On peut pas plus, on a bout de bras. Là. Juste essayer de passer le barreau du dessus. Ça sera nickel. Et monter sur l'échelle. Passe le barreau du dessus, Chouchou. Dis maman. Attends, on va le prendre plus bas là. Attends, on va le prendre plus bas. Je peux pas poser sinon ça tombe. Ah, si on lâche. Ça tue, hein. Faut pas qu'on monte dessus. Qu'est-ce qu'il nous fait pas faire, hein ? Tu aurais dû mettre des échelles pour monter dessus un petit peu, là. Ouais, parce que lui, on peut plus pousser, en fait. Je peux plus rien faire, là, moi. Une fois qu'il a la moitié, c'est bon. Je te tiens. Attends. Je pousse pas. Normalement, ça redescend plus, là. La malade, voilà. Ça y est, c'est fait. Merci bien. C'est impeccable. Alors, on va monter dans la réhausse et je vais vous faire voir le système de fixation pour maintenir la porte ouverte. Voilà, là, c'est déjà quasiment en fonction. Voilà, donc là, on est dans le coffre qui est ouvert. Bon, c'est pas tout à fait ça. J'aurai des petites goupilles pour que ce soit plus rapide. Donc là, je mets des petits papillons pour pas que ça se dévisse au cas où. Hein. Voilà. Tac. Donc, vous voyez, là, une fois que le coffre, il est ouvert, bah là, il bouge pas. C'est mieux qu'un vérin. Enfin, vous voyez, il y a toute la cabine qui bouge. C'est du costaud. Aujourd'hui, on met les panneaux de fibre. On a déjà fait deux côtés avec Charlotte. On les a nettoyés d'un côté, ceux qui sont à l'intérieur. Et ceux qui sont à l'extérieur, on les a poncés pour casser le brillant. Parce que comme ça va être repeint de l'extérieur, au moins on n'aura pas à le poncer là-haut. Petite difficulté supplémentaire, il y a des grosses rafales de vent. Donc, c'est pas évident. Comme ça, ouais, là il est bien placé. À force, on aura moins de vent parce qu'on va tout fermer. Et pour monter, on fait comme ça. On va cesser une petite marche à l'intérieur. Hop, voilà. Ça va. Il y a pire quand même, hein, comme accès, non ? Déjà, on fait pas ça déjà dans un coffre de toit habituellement, déjà. Nous, on rentre dans notre coffre de toit. Et vous entendez le vent ? Ça refait pareil. C'est quoi ce bazar ? Vous avez vu comme ça souffle ? C'est hallucinant, hein ? L'appareil va pas tomber, j'espère. Je vais ranger mon appareil, ça va tomber. Tu le sens ? Ouais, je sens que ça va tomber. La dernière chouchou pour aujourd'hui ? Bah, j'ai envie de dire la dernière... j'ai envie de dire la dernière tout court. Du... Bon, les vitesses... Ah. Ouais. J'ai envie de dire la dernière... Pour les côtés. Parce que tous les côtés sont faits. Parce que tous les côtés sont faits. Tous les côtés sont faits, voyez ce que ça donne, on est dedans. Plancher aluminium, vous l'avez pas vu, regardez. Charlotte va vous le faire voir.
Donc tout est collé, vissé en PU. Oh là là, qu'est-ce qu'elle prend vite la colle, c'est dingue. J'ai même pas le temps de lisser. Bah ça, de toute façon, j'en remettrai pour bien voilà, finir. Il y a tous les côtés qui sont faits. On a bien bossé. Hein. Alors on a mis les bouchées donc aujourd'hui, on n'a pas de façon. Alors Charlotte, elle m'a aidé. Bah parce que j'étais là surtout. Et attendez, Charlotte, elle a quand même fait toutes ses commandes ce matin, pour vous. Et elle a tout envoyé. Non, elle a travaillé dimanche et elle a envoyé tous ses colis. C'est ça. C'est une dame. C'est une dame. J'ai travaillé toute la journée dimanche, jusqu'à 19h le live. Voilà. Mais au moins ça nous permet d'avancer parce que là, ça y est, on est en mode. On est en mode, faut qu'on parte. On est en mode, on veut se barrer. En mode crado, là, la fibre, ça. Ça gratte de partout, regardez toutes les petites plaques. Ouais. Ouais, faut j'essayer, faut pas faire ça en torse nu, mais là il faisait trop chaud, on pouvait pas mettre. Bah il faisait pas loin de 30 degrés là aujourd'hui. Il y avait un vent de fou. Et au final. Bricoler, ça fait mal partout, c'est nul. Hein, je me souviens, j'ai vu un sportif à la télé. Et qui bricolait pendant le confinement. Il disait bricoler, c'est nul. Parce que vos muscles ils travaillent mal. C'est pas bon du tout pour le corps quoi. Il dit là je bricole pendant un mois, deux mois et il dit c'est pas bon, il faut que je m'entraîne, il faut que je refasse mes étirements, mes échauffements, ceci, ça. Et c'est vrai que je comprends pourquoi des fois j'ai mal partout, c'est qu'on a des mauvaises postures, on n'est pas bien là, au lieu d'appuyer avec les bras, quand on n'a plus de bras, on appuie avec notre ventre comme ça sur la perceuse, on va se faire mal à l'intérieur, ça se trouve. Enfin, franchement c'est pas terrible. Là, il est temps que ça se termine. Hein, chouchou, t'es pas bientôt. D'accord avec moi ? Allez, bientôt. Voilà, donc c'est un coffre qui sera entièrement étanche. Il est jointé, vissé de l'intérieur. Et à l'extérieur, je refais des joints partout pour que ça fasse joli. Et après, deux couches de peinture blanche. Il faut que tu coupes les vis aussi. Et oui, avant, je coupe toutes les vis. Mmh. Et ça marche super bien cette technique-là. Parce que j'ai essayé de dévisser des vis, en fait, ça se dévisse plus. C'est mort. Une fois qu'elles ont été bien coupées, t'as l'impression qu'elles se sont soudées avec l'acier. T'as montré ce qu'on a fait dans la cabine aussi? Non, on va aller vous montrer ça. Là, on décharge, on recharge tout. On décharge tout en bas. On va rentrer tous les outils et on va vous faire voir la cabine. On va se laver et on va se faire un petit tour de. Vous verrez. Rejouer. T'as dit quoi? Vous verrez. Vous verrez peut-être. Alors comme promis, voici la cabine. On a tout enlevé, Théo il a tout nettoyé. Vous voyez ce que ça donne. Ici on va faire un grand canapé avec des rangements en dessous. Et ça on va le remettre en fait, c'est du tapis isolant. C'est super bien, c'est super épais. Et on va le remettre de ici jusque là. Tac, on va le remettre, sauf qu'on va le découper un petit peu. On mettra un petit peu d'isolant dans le coffre. Et là il y aura vraiment une toute petite mousse pour le dos. Parce que ça servait à rien, la grosse mousse qu'il y avait, elle était inutile, elle prenait beaucoup trop de place. Et si un jour on veut faire un passage cabine, il sera sûrement là-bas. Donc il fallait qu'on laisse la fenêtre parce que le dossier en fait il bouchait tout. Voilà. Bon et moi je pensais qu'on allait pouvoir vous faire voir la fabrication du coffre en deux vidéos, mais ça va peut-être durer trois vidéos. Mais dans la troisième vidéo spéciale coffre, il sera fini je pense. Hein chouchou, viens n'aie pas peur, viens me rejoindre. Viens me rejoindre. Hein? On n'a pas beaucoup travaillé aujourd'hui. Si, toi, moi j'ai rien fait, toi t'as bien travaillé. Pourquoi t'as pas travaillé toi? Parce que j'avais pas envie. Et on se dépêche parce qu'ils annoncent du 36 degrés je crois dans deux jours. Ouais, jeudi je crois. Ça c'est dingue. Mm. Ici ça y est, tout est collé, jointé, la deuxième couche de peinture anti-rouille, il y aura eu quatre couches. Il y a eu deux couches de préphosphatant anti-rouille et deux couches de peinture blanc brillant anti-rouille. Et que de la bonne peinture. Donc là, demain avec Charlotte, on va venir plaquer le... La fibre, on voulait le faire ce soir, mais comme on a le montage de cette vidéo-là à faire, il va faire noir bientôt. On n'est pas couché avant une bonne heure du matin, donc du coup, on va faire le montage maintenant, et ça attendra demain. Parce qu'il faut vraiment prendre son temps, c'est un gros panneau de fibre, et il nous reste qu'un seul morceau. La fibre, pour ceux qui me le demandent, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je l'avais déjà dit avant, mais je vous le redis, j'ai acheté ça sur contreplaquémarin.com, vous savez, là où on a acheté aussi les panneaux de bois fibré, ils ont plein de choses, ils appellent ça des rouleaux de peau. Voilà, donc ça fait 3 mm d'épaisseur, c'est hyper résistant, et le rouleau, il doit faire 10 mètres de long, je crois, sur 2 mètres de large, à peu près. Hein. Voilà, donc vous pouvez les joindre sur... non, c'est pas 20 mètres. Vous pouvez les joindre sur contreplaquémarin.com ou Opal Composite. Là, ils sont sur Calais, en plus ils sont très gentils, vous dites que vous venez de notre part et normalement vous aurez une petite remise. Voilà. Contreplaquémarin.com. Voilà, contreplaquémarin.com. Je sais même pas si sur tout le rouleau j'aurai 1 mètre carré de chute. Mm. Voilà,
en tout, avec des petits bouts, des petits morceaux, tout ça. Un mètre, un mètre et demi. Et tu dis que tu t'es foiré hier dans ta coupe? De chute. Et ouais, je me suis foiré hier dans une coupe. Là, j'ai mal pris mon angle, mais ça va, on a réussi à rattraper tout ça. Heureusement, parce c'est que nickel. Tu voulais refaire un bout. Et on n'aurait pas eu assez, c'est ouais, vrai. Heureusement, c'est vrai. Ouais. Exactement. Il faut que je me dépêche aussi à vite nettoyer tout ce qui est gouttière et tout, parce qu'il y a tous les copeaux de métal qui sont déjà en train de rouiller dans la gouttière. Donc il faut que je passe un coup de karcher partout. Après un bon coup de peinture. Les coffres, il faut que je finisse de les peindre aussi en gris. On a jusqu'à dimanche. Ensuite, j'ai ma maman qui s'en va une semaine, donc on garde ses chiens. J'ai ma mère qui revient le samedi 8. Le lundi, c'est le 10. Et mardi, c'est le 11. C'est l'anniversaire de Julia. Normalement, on pourrait vous donner une date. Notre grand départ pour la Normandie et la Bretagne, ça serait mardi. Ou alors lundi. Le jour de l'anniversaire voilà. De Julia. Le 10 ou le 11. Peu importe. Ça nous fait une petite date aussi pour nous, quoi. Nous, on est quasiment sûr d'être bons. Par contre, si j'arrive pas à trouver les joints de réducteur, bah ça va être un petit peu compromis, parce que sans ça, je peux pas trop rouler. Ils n'arrivent pas à trouver les références chez Renault Truck. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous savez où est-ce qu'on peut trouver ça. Chez Renault Truck, ils n'arrivent pas à trouver mes joints de réducteur. Pourtant, c'est un Renault, quoi. Enfin, c'est un Midliner M180. Il y a tout qui correspond, la plaque des mines, tout ça, tout est OK. Et apparemment, ils galèrent à trouver les joints. Parce que moi, j'aimerais bien les faire faire au garage si le devis n'est pas trop élevé. Comme ça, je les ai prévenus. Hein. J'ai dit, moi, il faut que je vous l'amène le matin, que l'on repart le soir, parce que c'est notre maison, on vit dedans. Ils ont dit, ouais, normalement, une journée, c'est faisable. Ils nous changent les deux pneus, ils font les joints de réducteur. Sauf qu'ils galèrent à trouver les références de joints de réducteur. C'est un petit garage qui est à côté et qui travaille aussi avec Renault Truck. Donc, on n'a pas joint Renault Truck et on va peut-être essayer de les joindre directement. C'est quand même dingue qu'on n'arrive pas à trouver ces joints, quoi. J'espère que c'est encore fait. Je pense qu'on va pouvoir les trouver parce que c'est encore des camions qui tournent un petit peu chez les pompiers, ça. Il y en a encore quelques-uns. Donc, normalement, ils devraient encore avoir les pièces. Et sans ça, je perds de l'huile et c'est chiant. Il perd de l'huile de nulle part, ce camion. C'est le seul petit point noir. Il perd quelques gouttes au niveau du joint de réducteur. Voilà. Donc ça, il faut absolument qu'on le fasse et c'est ça qui risquerait de nous retarder un petit peu notre départ. Mais voilà, sachez que vers le 10-11, nous, on est au OP. On vous fait voir la cabine et puis on vous laisse. Voilà, alors regardez, ça c'est du bois maintenant. C'est quasiment les mêmes dimensions, mais il est plus large. On a encore un peu de place pour passer à pied, voyez. Puis après, on s'assoit, de toute façon, on pose les pieds ici. Ok. Donc... vous avez la table, viens voir Chouchou. Vous avez la table que j'ai modifiée avant, elle était au-dessus. J'ai refait les trous, je l'ai allongée, et maintenant elle se retrouve comme ça. En fait, j'ai gardé la table d'origine parce que je trouvais que le système était bien fait. J'ai tout resserré, j'ai fait quelques modifs. Voilà. Et là, on a une table qui est assez haute. Pour les enfants, même pour nous, ils ont joué tout à l'heure, les petits avec leurs dinosaures, tout ça, ils se sont éclatés. Hein ? Et on a fait, c'est que de la récup, voilà, on a gardé les sièges. Ça, vous vous souvenez, ça arrivait jusqu'ici, c'était beaucoup, ben voilà, ça arrivait ici, c'était beaucoup trop, en fait, on se tapait ça dans le dos. Et là, maintenant, voilà, on est mieux, surtout pour les petits, ils vont être bien aussi. On aura alors ici deux petites sangles qui vont venir serrer les deux sièges auto, enfin, c'est du système D, je rappelle aux gens que c'est un véhicule qui est sorti sans ceinture, et normalement, on doit rouler comme ça. On n'a pas de ceinture à rajouter, on n'a pas le droit. Mais nous, on ne va pas laisser les sièges auto forcément sans pas attacher. Donc on va mettre deux sangles, les sièges auto seront serrés sur le camion, les petits ont leur harnais dans leur siège auto. Et là, il faut que je commande assez vite avant qu'on parte. Je vais commander des harnais de voitures de course, en fait, pour les grands. Ils seront fixés ça va être des trois points. Et puis aussi, je vais fixer en dessous, je vais voir, je vais trouver un système. Et voilà, ils pourront s'attacher avec un trois points ici. Au moins, les petits, voilà, s'il y a un freinage, ils seront en sécurité, parce que je vous explique pas, si jamais il n'y a pas de ceinture et qu'ils sont en table en train de jouer puis qu'il y a un freinage, ils se prennent ça directement dedans, c'est pas terrible. Donc bien entendu que pour les petits, ils vont être équipés de harnais. Et nous, normalement, on se mettrait à l'avenir des harnais aussi, voilà, des harnais de course. Donc quand ça, normalement, c'est ce qu'on a dit, ils s'en servent que quand on roule pas, parce que je trouve ça assez dangereux. Quand on roule, ça c'est vraiment la position route. Voilà, tac, là on est en position route. Le coffre, vous pouvez y accéder comme ça. Ok, il est jointé, vissé de partout pour pas que ça grince. Et si vraiment on veut une grosse entrée, ça je vais le mettre ici. Voilà. Si vraiment on veut une grosse entrée, eh ben on fait ça tout simplement. Voilà. Alors on aura dans ce coffre qui seront rangées toutes les affaires d'école, tous les loisirs créatifs, les bracelets, les macramés, les perles, parce que ça ils ont des paquets entiers et ils vont pouvoir reprendre tout ça justement, ça va leur faire plaisir, leur machine. Machine à coudre, le tissu, vraiment tout ce qui est créatif et école. Comme ça, ça sera leur petit espace. Si Lucie a envie de venir faire de la couture, bah, elle prend sa machine, elle la met sur la table. Il y a une prise de 120 en plus, ça c'est top.
et elle pourra faire sa petite couture comme elle aime bien faire. Bon, excusez-nous pour les images un peu sombres, on était un petit peu en contre-jour. Voilà, j'espère que vous aurez bien vu ce qu'on a fait. Et on a bien avancé quand même. On a bien avancé. On a eu un petit coup de boost là. Un petit coup de fou et ça fait du bien. Et puis là, le fait qu'on se soit donné une date, rien que pour nous, même si on part pas le 11, ça nous motive. Et puis on se dit, purée, genre dans une semaine et demie, quoi, 15 jours, allez, on est parti. Quoi. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Normandie-Bretagne, et après peut-être un ou deux mois dans les Pyrénées, on essaie de préparer notre départ pour début novembre. Voilà. Donc, je pense que début novembre, si c'est OK, voilà, encore une fois, on ne peut pas voir l'avenir. Si c'est OK au niveau des frontières, début novembre, on décolle pour le Maroc et puis, et puis après pour l'Afrique. Après, on ne sait pas. Inch'Allah. Après, on ne sait pas parce que ça se trouve, notre tour de Normandie-Bretagne, il va prendre plus de temps que prévu. On va descendre dans les Pyrénées un peu plus longtemps. On ne sait pas. C'est les grandes lignes. On ne sait pas. C'est les grandes lignes. On a plein de rencontres à faire. Au fur et à mesure de notre aventure. On a plein de rencontres à faire tout le mois d'août en Normandie-Bretagne. On a plein de monde à aller voir. On va pouvoir vous rencontrer aussi si vous voulez. On vous laisse les grandes lignes, mais ça peut être modifié en cours de route, hein, bien évidemment. Exactement. On les laisse, nos petits bandits. Allez, et puis on vous dit à vendredi pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. Surtout pour les gens de réducteurs. Allez, bisous, ciao, bye bye. Tu vois déjà quoi ? Là, je l'ai séché. Ouais. Génial. Oh, ça, c'est le truc qui est énervant, ça. Oh, vous savez, si vous bricolez, qu'il y a des trucs énervants comme ça. T'as réussi à le faire ? Oh, la mécanique, c'est ça. On sent les choses, on sent les écrous. Voilà. Alors, heureux ? Heureux. Soulagé ?